438 plus 89 plus 843 plus 9 17 plus 3 20 17 plus 3 20 je pose 0 je retiens 2 plus 3 5 plus 8 13 plus 4 17 je pose 16 je retiens 1 plus 4 5 plus 8 13 je pose 3 je retiens 1 plus 6 7 ça donne combien 7370 7370 sur les 15 enfants et en somme tout petit monde ça eux ont réussi. Ils ont réussi, ils ont allé à la classe supérieure. Officiellement, il y a deux mondes qui n'ont pas fait partie du programme. Donc, le programme a continué ensemble avec les restes du monde. C'est bien que les mères ou encore les parents décident de prendre en charge leurs enfants. Le programme n'a rien contre si une mère ou si un père décide de prendre son enfant en charge. D'ailleurs, c'est l'objectif même du programme, aider la mère à prendre en charge le programme. C'est pourquoi vous pouvez constater que en classe de CP, nous donnons tout à l'enfant, les frais scolaires, les matériels, les uniformes. Mais à partir de la troisième année, nous commençons à réduire les avantages. Ce que nous espérons, c'est que les mères vont continuer à appuyer ces enfants, à les supporter, à les aider pour qu'ils puissent continuer à réussir. À partir de la sixième année, c'est la mère ou les parents qui doivent prendre en charge les enfants. La nuit des fantômes est un portrait, une lettre, un poème, un récit. Un portrait. On fait le portrait de qui? Est-ce qu'on fait le portrait de quelqu'un ici? Non. C'est un récit. Qui avait Donald? 8 ans. Ça s'est passé où ça? Aux États-Unis. Je sais, j'ai pas demandé dans quel pays. Ça s'est passé où ça? Est-ce que ça s'est passé à la campagne? Est-ce que ça s'est passé dans la cour? Est-ce que ça s'est passé dans le salon? Dans la rue? Dans le salon? Dans le salon. Il y a un endroit où on dit ça dans le texte. La chose que Donald redoutait le plus. Le noir, ça fait peur. Parce qu'on ne voit, on ne voit pas. Quand il y a quelque chose dans le noir, on ne peut pas voir, on ne peut pas voir ça. Ok. Maintenant, on dit. Combien de têtes suivantes remplacer les pointillés par ce S-E ou ce C-E? Ce soir, comment on va écouter? C-E. Donald voulut en avoir le cœur net. S-E. Il se réveilla S-E peu avant minuit. Ce S-E devant un verbe et ce C-E devant un nom. Mettez-vous debout, on va chanter. Montre-moi la tête.